Et salut à tous les amis, c'est PFR Foot FR. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la suite B2 de l'aventure des yeux auditorés. Sur Assassin's Creed Brotherhood. Allez, on appelle le cheval. Il est bien trop malin. Fichez le camp et plus vite que ça! Assistente, très bien. On va découvrir. Une tour Borgia. On va y aller. On va aller à la Tour Borgia. Ah, on peut pas. On peut pas. Bon, tant pis. Tour d'aigle. Ah, c'est là-haut. Comment je monte? Je suis pas sûr que je puisse. C'est par là-bas. Il y a une échelle. Hop. Et là, normalement. Ah non. On va voir si on peut monter. Ouais, je suis pas sûr. On va enlever bon le ça. Hop. Plan de guerre. Trouver le surveillant. Bien sûr. Ok, je l'ai. Tuez-le. Ok. Bien joué. Je devais pas les envoyer, mais bon. Moi, je trouve ça très utile. La mort n'a pas de maître. Allez, on poursuit. C'est à côté, visiblement.
Montalbain, la mitrailleuse. Terrassé sans ombre en quelques secondes, elle ne doit pas rester entre les mains des Borgia. Ouais. Surtout, surveille bien cette arme. Il faut se tenir prêt à la mettre en sécurité à la moindre alerte, compris? D'accord. On sera désynchronisé si on est repéré. Pour le moment, il n'y a personne. Ouais, c'est bon. Dans l'autre sens. Voilà. Hop. Non, 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 non. C'est là-bas. Ouais, je les ai vus. Hop, voilà. Thank you.
Hop, boum, ça pète. Aïe. Allez, 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 saute ça. Voilà. Comment on fait? Comment on doit faire? Ah. Très bien. Il va voler notre arme. Oh, les deux. Je veux les deux. Allez. Allez, bien comme ça. Waouh, ils sont nombreux là. Retournez chez vous. Tous autant que vous êtes, ou vous mourrez.
monde se portera bien mieux sans toi. Et voilà. Ratatatata. C'est pas un Pokémon, c'est le bruit de la mitraillette. Allez. Alors, où est le prochain point? Waouh, ouais, ok. Est-ce que je peux pas aller faire la tour Borgia? On va aller faire la tour. Ah, mince. Continue comme ça. Makoz, il est tombé sur la tête. Je vois pas comment monter en fait. Moi je peux monter là. On va essayer. Par là. Ah, déjà il y a un pigeonnier. On va aller voir le pigeonnier pour attribuer le point de compétence. Voilà. Astente. Ça c'est fait. Là non. Je vois pas. Il manque un des queues. J'en ai. J'ai rêvé ou quoi? Peut-être que. J'aurais bien besoin de repos. Est-ce qu'on peut le rénover ou faut d'abord découvrir la zone? Très bien. Ouais, mais j'ai envie de faire la tour en fait. Je vais aller faire la tour Borgia. Parce que sinon, s'il faut, à la fin du jeu, faudra les avoir toutes faites. Et si j'attends. Non, c'est architecte, je veux voir. D'accord. Ok. Ouais, voilà, c'est celle où je vais. Dommage, je ne peux vraiment rien faire. Ok. Nous aurons peut-être l'occasion de nous revoir. Allez, pousse-toi. Oh, putain. Allez, ok, je monte sur toi. Ah mais non. Oh je peux pas. Oh le dégoût. C'est quoi un coffre? Un coffre. Je peux pas encore. Bon bah on va retourner là-bas pour prendre le machin. Oui, je sais, mais je peux pas y aller. Enfin, ou alors je suis débile, mais bon.
là, je peux pas l'atteindre. Je pense que non. Allez, on va aller au repère. Mais où étais-tu ? Nous avons tous nos secrets. J'ai pris la liberté d'instaurer un nouveau système de communication avec nos recrues. Nous enverrons nos ordres par pigeon voyageur. Merci, Machiavelli. Bartholoméo ne pourra se joindre à nous. Les Français intensifient leurs attaques. Claudia. Aetio. Voilà. J'ai un plan pour nous débarrasser des Borgia. Allons-nous viser leurs ressources ou les partisans de Cesare ? Mon plan est d'attaquer les deux. S'il est privé de ses fonds, Cesare perdra son armée et reviendra sans ses hommes. Alors dites-moi, d'où vient son argent ? Volpe ? Agostino Chigi prête de l'argent au pape, mais Cesare a recours à quelqu'un d'autre. Pour l'instant, nous ne connaissons que son surnom, le banquier. Je connais quelqu'un qui lui doit de l'argent. Le sénateur Egidio Troche, un habitué qui ne cesse de se plaindre. Bene, je vais donc suivre cette piste. La route qui mène au château est gardée par des soldats français. Une fois derrière ces murs, Cesare sera intouchable. Ok. J'ai bien l'intention de tuer leur général. De cette façon, Bartholoméo n'aura plus qu'à attaquer les Français, et ils abandonneront leur poste sur le pont. Même si ses troupes se retirent, les gardes du pape continueront de surveiller l'entrée. Il y a une porte cachée. Le dernier jouet de Lucrezia, Pietro, en a la clé. Je l'ai vu au château. On se retrouve plus tard. Je vais demander à mes voleurs de localiser ce pauvre Pietro. Ok, la carte sur le bureau. Contrat. On va faire Florence d'abord. Y a pas niveau 1. Rome. Non. Moscou. Voilà. Remettre un rapport. On va attendre d'avoir plus de guerriers. Quitter le repère. Mais où vas-tu ? Sans Forli, je ne suis utile à personne. Je vais rejoindre mes enfants, en attendant de récupérer un jour mes terres. J'aimerais que tu restes. Tu es le chef des assassins maintenant. Tu dois les unir, Ezio Auditore. Tu dois reconquérir Rome. Vittoria agli assassini ! Vittoria agli assassini. Et voilà, c'est la fin de la séquence. Allez, hop, on va récupérer l'argent. Banco. On y va à pied. Si on trouve des ennemis, on les tuera avec les assassins. Enfin, avec notre guilde. C'est indéniable.
Là, il y a une tour, on va la faire. C'est pas possible! Il s'est enfui! Je le vois! Au moins, il a du cran. Pas comme Arrigo. Allez. Voilà. Hop, et on va faire la tour. Allez, on monte. Hop. Aïe! Ah, j'ai plus de remède. Alors, hop, là, on peut monter. Tourne. Boum. Hop, on continue de monter. Là on arrive, oh, on y est presque. Hop là, et voilà, on incendie et on s'en va.
Buongiorno. Le médecin, on va le rénover. Où est-il? Alors là, je vois pas où il est. Bon, c'est pas grave. J'ai toujours de la ah, mais dessous. Il y a quelque chose de malsain. Peut-être à ce niveau-là. Hop. Armure. Mille. 2005. Ce fut un plaisir. À très bientôt. Voilà. Hop, une jeune femme. La libération de Rome a commencé. Grazie. Il s'en est fallu de peu. Vous ne voudriez pas m'apprendre à combattre cette vermine? Dottore. 730. Et j'ai un nouveau. On va acheter. Des remèdes. 360. Hop, voilà. Ça devrait aller mieux maintenant, mais pas d'imprudence. Allez, on va vers la suite. Au moins, il a du cran. Pas comme Aristo. Le cardinal Soderini a demandé qu'une piazza soit aménagée devant son palais dans le Ponte. On poursuit. Agostino Chigi, le banquier italien, vous fait savoir qu'il donnera une grande fête dans sa villa pour faire étalage de sa fortune colossale. Et pour célébrer les profits substantiels générés par les emprunts. C'est pas l'argent que je veux, c'est un remède. Ah voilà. Ça j'ai fait le plein. Allez. Hop.
Qu'est-ce que tu veux? Tu as parlé d'un sénateur endetté. Tu le trouveras au Capitole. Tu n'as pas besoin de moi. Quand j'aurai tué le banquier, tes filles devront porter son argent à nos partisans. Bien. Ouvre l'œil. Accepté. Trouver le sénateur. Alors, si je prends le passage, est-ce que je me rapproche ou pas? Ah, je sais pas. Capitole, et là on est ici. Et le Capitole, c'est là. Ouais, bon, ça va, c'est pas trop loin. Vous êtes les larbins des portes. Hop, on rénove. La banque, on va voir si on peut stocker plus. 1050, ouais, j'ai tout juste ce qu'il me faut. Bonjour. Est-ce qu'on peut stocker plus dans les coffres du coup? Ouais, tout juste, mais simple. Hop là. Hop, voilà. Et on monte au Capitole. Ah, et ça, est-ce que je peux le rénover, peut-être? 400, voilà, un de plus. Alors, où est ce sénateur? Pourquoi confier notre argent à Edgidio? Nous savons tous ici ce qu'il compte en faire. Il est où ce sénateur? Ah. Trêve de bavardage! Tu ne l'as pas remboursé! Faites une exception pour un vieil homme! Non, le banquier veut son argent. J'aurai bientôt réuni la somme, je le jure. Il est trop tard. Aïe. Oh.
Boum. Un bon samaritain à Rome? Je dois être en train de rêver. Sénateur Egidio Troque. Toi aussi, tu veux ton argent, c'est ça? Je cherche le banquier de Cesare. Ah, Cesare Borgia. Et tu es? Un ami de la famille. Cesare a de nombreux amis de nos jours. Malheureusement, je n'en fais pas partie. J'ai de l'argent. Ma che meraviglia! Un homme aussi courageux que généreux, tu ne pouvais pas te manifester plus tôt? Il ne faut pas rester ici. Je connais un endroit. Allez, banquier. Allons-y. Tu vas devoir me protéger. Les gardes ne sont pas très amicaux, si tu vois ce que je veux dire. Attendez. Alors attendez, c'est où qu'on doit aller? Voyons. Ok, ici. Quelqu'un souhaite vraiment votre mort? Mon frère Francesco est le chambellan du pape. Je sais, passons. Il y a quelques mois, il m'a parlé du sort que Cesare réserve à la Romagne. J'ai essayé de prévenir l'ambassadeur de Venise, mais il semblerait qu'une de mes lettres ait été interceptée. Le Sénat est désœuvré ces jours-ci. Les Borgia ont accaparé tous les pouvoirs. Tu sais à quel point c'est pénible de rester sans rien faire? Ça te change un homme. J'ai succombé au jeu, à l'alcool. Et aux femmes. Oh, tu es perspicace. Je sens encore le parfum, c'est ça? Oui, ça doit être ça. Allez, remplis-toi, remplis-toi. Ils s'en prennent à moi! Les sénateurs se battaient pour de vraies causes. Pour faire cesser les tortures ou aider les enfants abandonnés. Aujourd'hui, nous en sommes réduits à écrire des lois sur la longueur des manches. En avant. De faux prétextes. Je suis prêt à soutenir de vraies causes dès que j'aurai les moyens de mes ambitions. Hey. Tu ne t'es jamais dit que la mort est peut-être ce qui t'arrivera de mieux dans la vie. Voilà. C'est trop dangereux ici. Il ne faut pas s'arrêter. Je suis sur le point de... Pas par là. Pas s'arrêter. Il y a trop de gardes. Ok. Ils pourront ainsi trouver le réconfort dans l'amour du vrai Dieu. Thank you.
ici. Ces maudites lettres. Je n'aurais jamais dû écrire à l'ambassadeur. Cesare va me faire assassiner. Bienvenue dans la demeure de mon frère Francesco. Dieu merci, il est absent. Nous ne nous parlons plus depuis qu'il est au courant pour les lettres. Que voulais-tu déjà? Le banquier de Cesare. Oui. Pour le rencontrer, il faut de l'argent. Le problème, c'est que je n'en ai pas. Vous devez le rencontrer. Où? Je ne le saurai qu'une fois sur place. Je rejoins l'un des trois lieux de rendez-vous. Ensuite, ses amis me conduisent jusqu'à lui. J'apporterai la somme que vous lui devez. Sul serio? Arrête, je t'en prie. Tu vas finir par me rendre optimiste. Ok, ça devrait pouvoir se faire. 3000. On va aller déjà. Première chose. Péter la tour. J'aime bien péter les tours. Enfin, tuer le. Domenico da Padova. Je connais cet homme. Où il est? Merde! Là-bas! Saisis! Arrête! Oh, je vous ai rien fait! Il était là à l'instant. Tu ne t'échapperas pas. Épargnez-moi. Pas par là. Aïe. Tu es mort. Qu'est-ce que tu veux? Tu retournes chez ta mère. Bien joué les gars, c'est bon ça. Hop, et voilà une nouvelle tour qu'on incendie. La banque. Ou 1230. Ah, j'ai rien. Pitié, pitié, je suis innocent. Ayez pitié, j'ai toujours été. Jésus, que ça y est. On va rentrer dedans parce que je crois que on va aller voir. Hop. Voilà.
contrat, c'était Paris, 9 minutes. Lancer mission. J'ai toujours été irréprochable. Ah. Dépôt effectué dans le coffre de la banque. Retirer l'argent. Voilà, on a 4000. La libération de Rome a commencé. Grâce à vous, je suis en vie, et je dois continuer d'éliminer les serviteurs des Borgia. Mon épée est à votre service, mon frère. Hop, on va l'envoyer en mission. Allez. On y va. Serena notte. Faites un peu attention, messieurs. Retournez à la messe, vous ferez le plus grand bien. Consternante. À tous les habitants et visiteurs de Rome, méfiez-vous des chutes d'objets aux abords des chantiers de construction. Nous adressons nos sincères condoléances à tous les citoyens. Chez elle, les 3000. Hop. Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies tenu parole. Il y a une condition. Je le savais. Gardez un œil sur ce qui se passe dans cette cité. Allez voir Maria à la Rose Fleurie et communiquez-lui les noms des complices des Borgia. Et ensuite, tu les feras disparaître. Ce pezzo di merda me déteste. Mais il reste mon frère. Va bene, allons-y. Je vous suivrai jusqu'au banquier. Allez. Qui intéressera ceux d'entre vous qui sont retenus chez eux par une attaque de goutte. Il a mis au point un traitement miraculeux, obligeant toutefois les malades à avaler de grandes quantités de pierres. Maestro Jan Zemienwis, vous êtes le retour au sarcophage à l'hôtel. Le Saint-Siège a entériné les nouveaux codes du conduit présidimentaire. Ok. Ce message s'adresse aux futurs spécialistes des arts charnels. Les permis de travail, il a le droit de faire ça. C'est pas mon problème. Quelle mouche t'as pris. Ah, Egidio. Te voilà donc prêt à mourir en gentilhomme ? J'ai l'argent ! Eh bien voilà qui change tout. Le banquier sera ravi de la prendre. Tu es venu seul ?
Hey, tu vois quelqu'un d'autre ici? Suis-moi, pour Bacchione. Est-ce que tu as eu des nouvelles de mon frère Francesco? Cesare s'occupe de lui. J'espère qu'il va bien. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent? Le banquier est plein de prévenances pour ses amis. Quel homme généreux. Quoi? Que dis-tu? Non, rien. Allez, filature. Hop. Agostino Chigi, le banquier de Sienne, vous fait savoir qu'il donnera une grande fête dans sa villa pour faire étalage de sa fortune colossale et pour célébrer. Allez, avance. Et Gidio a apporté l'argent. Bien, bien. Le banquier organise une petite soirée. Je vais lui remettre ce versement. Donne-moi ça. Saisissez-le, je reviens. Je ferais mieux de garder un œil sur cet argent. Laissez-moi partir. J'ai payé ma dette. Il compte l'argent. Et toi, tu ne bouges pas tant qu'il n'a pas fini. En passant par le toit.
Ouais, mais par où je passe? On va s'introduire dans le Panthéon. Je suis sûr de l'avoir déjà vu. Il doit compter l'argent que lui apportent tous les clients du banquier. Il ne l'a pas déjà fait. Il doit aussi se compliquer par écrit. Milite. Je veux bien m'introduire dans le Panthéon, mais je vois pas trop comment faire, en fait. En passant par là, peut-être. Voilà, on dirait qu'on peut monter. Vous essayez de m'impressionner, c'est ça? Non. Veuillez noter que le Camerlingue se servira dans les caisses de la ville pour faire remplacer son pourpoint. Et parce qu'il s'est livré de lui-même aux autorités, le condottiero Simone Occhibianchi sera exécuté par strangulation et non par pendaison comme l'exige la tradition dans les affaires de haute trahison. Nous vous donnons rendez-vous demain. Je pense que c'est ça, mais je me suis mal pris. C'est beaucoup trop risqué. Une grande procession va bientôt avoir lieu en l'honneur de San Vincenzo di Verdazzano et traversera plusieurs quartiers de notre ville. Nous vous invitons à consulter le parti affiché sur la porte de votre église. Cette procession passera forcément près de chez vous. Alors venez nombreux. Le Senato di Roma, lors de la peur de l'instant où les citoyens utilisent les briques et le marbre, les vestiges archivaux de notre côté. Cherche un passage où je pourrais monter, peut-être. Là, je peux monter. Là, peut-être. Ouh. Eh oui. Ça y est. Chant. Voilà, c'est fait. Est-ce que tout se passe bien là-dedans? Il faut y aller, Luigi, on est en retard. Oh, on s'est infiltré. Alors, le compte est bon? Va bene. Tuez-le. Non. T'as de la chance. Luigi a décidé de t'épargner. Après vous, je vous en prie. Hein? Voilà, nous sommes dans les temps. Hein? Ah. J'espère qu'ils vont nous laisser entrer cette fois. Ouais.
Mais c'est où qu'on doit aller, ça, en fait? Ça, c'est la bonne direction. Bientôt, nous aurons rejoint les autres à la fête. J'ai hâte. C'est le bon chemin. Signore, est-ce que tout va bien? Sans vouloir vous offenser, signore, est-ce que tout va bien? C'est l'autre côté, c'est l'autre côté. Ça, c'est la bonne... Sans vouloir vous offenser, nous, c'est le bon chemin. Ok. C'est chaud. J'espère qu'ils vont nous laisser entrer cette... Sans vouloir vous offenser, nous devrions accélérer le pas. Mais il n'a aucun sens de l'orientation. Tiens, le banquier habite par là maintenant. Ça, c'est la bonne direction. Ah oui. Voilà, nous sommes dans les temps. Mais où est-ce qu'il nous emmène? Ça, je suis prêt à parier. Pas dans la mauvaise. Mais où est-ce qu'il nous emmène? C'est le bon chemin. Mais où est-ce qu'il nous emmène? Mais il n'en... J'espère... Ah, nous serons bientôt arrivés. C'est le bon chemin. Ah. Je suis prêt à parier qu'il a perdu son chemin. Ça, c'est la bonne direction. Sans vouloir vous offenser, nous devrions accélérer le pas. Il va dans la mauvaise direction. Mais où est-ce qu'il nous emmène? C'est le bon chemin. C'est chaud pour... Et vous êtes fiers de porter ces couleurs? J'espère qu'ils vont nous laisser entrer cette fois. Le chemin que vous empruntez est original. Je n'aurais pas choisi le même. Tiens, le banquier habite par là maintenant. J'espère qu'ils vont nous laisser entrer. Signore, est-ce que tout va bien? Le roi de France a indiqué que la gastronomie milanaise devrait... Quel plaisir de visiter la ville. Tiens, le banquier habite par là maintenant. C'est trop chaud, par où? Sans vouloir, le chemin que vous empruntez est original. Ça, c'est la bonne direction. Ok. Tiens, le banquier habite par là maintenant. Quel plaisir de visiter la ville. Nous de... Sans vouloir vous offenser, nous devrions accélérer le pas. J'espère qu'ils vont nous laisser entrer cette fois. Nous y... Je suis prêt à parier qu'il a perdu son chemin. Ah, nous serons bien. Mais où est-ce qu'il nous emmène? Il m'arrive de me perdre à moi. Signore, est-ce que tout va bien? Bientôt, nous aurons rejoint les autres à la fête. J'ai hâte. Sans vouloir vous offenser, nous devrions accélérer le pas. Il va dans la mauvaise direction. Je suis prêt à parier qu'il a perdu son chemin. Bah oui, un peu, oui. Notre mission sera bientôt terminée. Nous, signore, est-ce que tout va bien? C'était de l'autre côté. Ah. Mais où est-ce qu'il nous emmène? Notre mission sera... Tiens. J'espère qu'ils vont nous laisser entrer cette fois. C'est le bon chemin. Mais où est-ce qu'ils nous emmènent? De l'autre côté. Voilà, nous sommes dans les temps. Ça, c'est la bonne direction. À droite. On va essayer. Le chemin que vous empruntez est... Oh, j'espère qu'ils vont nous laisser entrer cette fois. Notre mission sera bientôt terminée. Allez. Ah, nous serons bientôt arrivés.
Voilà. Ouf, c'était pas évident quand même. Donne-moi le coffre, Luigi. Je vais l'apporter au banquier. Tu peux entrer. Hey, on peut pas les suivre. Vous retournez en patrouille. Ordre de Cesare. Porca puttana. Cesare? Ici? Luigi a été tué. On a retrouvé son corps au Panthéon. Luigi? Mais il vient d'entrer. Dis à Claudia que le banquier est ici. Bien sûr. Petit vaurien, tu devrais aller te défouler ailleurs. Alors, mon frère, on est là pour le défouler. Tu vois mon épée? Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Pour le banquier. Miséricordia, par pitié, ne me tuez pas. Tiens, bonjour. Bonjour. Vous désirez de la compagnie? Oui, enfin, pourquoi pas. Je ne suis encore jamais allée dans le Trastevere. Les ruines me donnent des frissons. Je vous protégerai. Oh non! Elles m'ont lâché d'un coup. D'un coup, elles m'ont lâché. Pourquoi? Tiens, bonjour. Bonjour. Vous désirez de la compagnie? Oui, enfin, pourquoi pas. Je ne suis encore jamais allée dans le Trastevere. Les ruines me donnent des frissons. Je vous protégerai. Quoi, j'ai été repéré là? Ah bon? Ah ouais, j'ai lancé l'assassin et du coup les gens n'étaient plus Pour le banquier. Monsieur. Tiens, bonjour. Bonjour. Vous désirez de la compagnie? Quelqu'un a pris ton argent? Oui, enfin, pourquoi pas. Je ne suis encore jamais allée dans le Trastevere. Les ruines me donnent des frissons. Je vous protégerai. J'en suis certaine. C'est un joli coffre que vous avez. Il n'est pas à moi. Mais les bras musclés qui le portent, ils sont à toi. Tu voudrais les toucher? Mais que vais-je pouvoir dire au prêtre en confession? Ok, c'est là-haut qu'il est. Je connais cet homme. Attendez les gardes, étrangers. Non. Ok, faut que j'aille de... Les assassines de trucs de machin à machin. J'ai compris ce qu'il fallait faire. Thank you.
banquier. Tiens, bonjour. Bonjour. Vous désirez de la compagnie? Oui, enfin, pourquoi pas? Je ne suis encore jamais allée dans le Trastevere. Les ruines me donnent des frissons. Je vous protégerai. J'en suis certaine. C'est un joli coffre que vous avez. Il n'est pas à moi. Mais les bras musclés qui le portent, ils sont à toi. Tu voudrais les toucher? Mais que vais-je pouvoir dire au prêtre en confession? On est arrivé, je crois. Ah oui. Voici votre argent. Donnez-moi ça. Et ceci. Vous pouvez disposer. Ça alors, mais où est passée ma bourse? Honoratissima. Bienvenue à ma réception. Je suis Juan Borgia. Cesare va parler dans la grande salle, Eccellenza. Viens. Est-ce que tu passes une soirée agréable? Oui, Eccellenza. Vraiment, il y a tant de choses à regarder. Dis-moi. Ça se voit. Les petits plaisirs de la vie rendent le pouvoir si gratifiant. J'aperçois une pomme. Je veux cueillir cette pomme. Et personne ne peut m'en empêcher. Oui, au moment qu'il s'agit de votre pomme. Tu n'as pas l'air de comprendre, Marie. Tout ce que tu vois m'appartient. Pas moi. Tu te trompes. Je t'ai vu voler l'argent de mon garde. Tu vas devoir gracieusement payer de ta personne pour te faire pardonner. Et cette nuit, tu m'appartiendras. C'est une très longue nuit qui nous attend. Quelle meilleure façon de célébrer mes victoires que de tous nous unir dans la fraternité, mes amis. Oui, je vous annonce que bientôt, l'unité de l'Italie sera enfin une réalité. Alors, nous la célébrerons en festoyant pendant 40 jours et 40 nuits. Cominciamo ora! Il n'a jamais été question de conquérir l'Italie. Mais votre jeune et brillant capitaine général vous soutient le contraire. Pourquoi ne pas le laisser faire? Tu risquerais de bouleverser le fragile équilibre que nous avons eu tant de mal à instaurer. Je vous suis infiniment reconnaissant, mais en tant que chef des armées, c'est moi qui prends les décisions. Faites pas cette tête. Amusez-vous. Hein?
même pas savoir pourquoi il fait ça. Oh, oh. Non. Sans se faire repérer, ben voilà, je l'ai fait, j'ai envoyé mes hommes, toutes les beautés femmes que j'ai vues, senties et touchées. Je ne regrette aucun des moments que j'ai vécu. Un homme de pouvoir doit savoir se détourner des plaisirs futiles. Mais j'ai donné au peuple ce qu'il réclamait. Et maintenant tu en paies le prix. Nul ne peut jouir éternellement de plaisirs qu'il n'a pas mérités. Requiescat in pace. Même pas le temps de... Never stop.